Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Ultra Opening. On se retrouve du coup pour un opening de 3 cristaux 7 étoiles. Il y a quelques petits trucs à côté, notamment un petit cristal fit 6 étoiles, on a quelques petits 6 classiques. Je crois qu'on a de l'abysse aussi, on a de la relique 6, enfin bref, on a beaucoup beaucoup de trucs. On aura bientôt d'ailleurs un cristal exalté, ça c'est assez cool. Voilà, on a pas mal de trucs. Pas mal de trucs, on va regarder tout ça. Bon, ça j'ouvrirai plus tard. On a pris un Nexus Abyss mystique, parce que je crois qu'il y a pas mal de... Enfin, je crois qu'il y a quelques mystiques 6 que je n'ai pas, et qui sont dans le cristal, genre Kushala, par exemple. Je crois, en tout cas. On a quelques petits cristaux comme ça, tac. Un petit cristal Paragon, ok. Stylé. Stylé, stylé, un cristal... Avec donc des éclats, enfin des bouts de plat de poule. Bon, de toute façon, plat de poule que j'ai déjà. Plat de poule que j'ai déjà. Hop, on a un petit peu de T6C. On a un petit peu de T6C. Alors, ici, je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal ici. Juste, est-ce que si j'ouvre... Non, si j'ouvre les 4, on va pas avoir assez. Donc, on va ouvrir la 5 étoiles. La relique 5 étoiles. Hulk Booster. Ah, elle était pas trop éveillée. Hein. Elle était pas trop éveillée. On va regarder maintenant la relique 6 étoiles. L'objectif n'est pas de faire une vidéo trop longue. Hein. Il y a quand même pas mal de... Enfin, il y a quand même 3 cristaux 7. Hein. C'est quand même pas rien. Mais voilà, l'idée, c'est pas de faire une vidéo trop longue. Spidey 2099. Ben non, je l'ai pas. Ça me disait rien de l'avoir. Ça, c'est très bien pour les prochaines sagas. Et ce qui est pas mal, c'est que je vais pouvoir la mettre sur Spider-Punk. Et ça, c'est cool. Très cool. Très, très, très cool. J'ai fait pas mal de VS là le dernier week-end. Enfin, pas mal. Disons, j'ai fait quelques heures de VS pendant que j'étais un peu chill et tout après avoir fait. Une petite sortie de course. Donc voilà, c'était assez... c'était bien. C'était bien parce que j'ai pu un peu reprendre quelques unités. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris d'unités comme ça. Donc c'était cool. C'était bien. On va prendre un petit peu d'éclat. On va prendre un petit peu d'éclat. 4 étoiles. Et comme ça, après, on va pouvoir aller ouvrir du 5. Oh, du nouveau. Werewolf. Ok. Bon, j'avoue que je recherche un petit peu du nouveau, hein, parce que j'essaye un petit peu bah, de combler ma collection, parce que j'avoue qu'il y a quelques champions comme ça que j'ai pas, et à chaque fois je me dis, putain, mine de rien, je le vois, quand je compare, il n'y a pas longtemps là en fait, je suis allé revoir dans le classement en termes d'IP, et je voyais le nombre de champions que j'avais en moins par rapport à ceux qui sont, on va dire, à peu près au même type que moi. C'est qu'en fait, moi, j'ai tellement monté mes champions, genre que ce soit les 2 étoiles, les 3 étoiles, les 4 étoiles et tout, comme je joue depuis très longtemps, qu'en fait, je compense par rapport à d'autres qui ont genre 40 champions de plus. Enfin, je peux vous montrer d'ailleurs. Je peux vous montrer. Vous voyez, là, je vais être combien? Je suis 30e. Je suis 30e. Vous voyez, là, ouais, on est 30e. Mais vous voyez, variante d'ailleurs, Monsieur Zorop qui est repassé devant moi. Attendez, je suis bien à 294. 237. Ok. Le truc n'est pas du tout en raccord. Bref, c'est pas grave. Le truc n'est pas du tout en raccord. Mais vous voyez, par exemple, moi, j'ai combien? Moi, j'ai combien de champions? Juste pour vous montrer. Et je viens d'en avoir deux de plus. Hein. 1332. D'accord? Juste pour vous montrer un petit peu. 1332. Et si on compare avec Monsieur Zorok qui est juste devant moi, ah, il en a moins que moi, lui. Ah, il en a moins que moi. Comment il fait pour en avoir moins que moi? Parce que, genre, voilà, la plupart que je vois, Monsieur Knacky Balls d'ailleurs, qui est abonné, vous voyez, hop, 57. Bon, il y a des doublons hein, dans le classement, mais vous voyez, 1349. 1353. À chaque fois, il y en a plus que moi, quoi. Il y en a vraiment tout le temps plus que moi. Hein. Bon, au final, il y en a quelques-uns qu'on ont. Mais vous voyez, genre, des fois, j'ai genre une vingtaine d'écarts avec certains. Une vingtaine d'écarts. Et encore, là, je viens d'en avoir deux là maintenant. Et c'est du bon, c'est du 4 étoiles hein, que je viens d'avoir. Donc, voilà. Enfin bon.
écoutez, en tout cas, c'est pas grave, hein. Il y a pas de problème là-dessus, hein. C'est juste, voilà, en gros, l'idée, c'est surtout de choper, parce que je sais pas si en 3 étoiles, il manque des trucs. Vous voyez, là, gain ici, non obtenu. Vous voyez, en 2 étoiles, je suis... Bon, il m'en manque quelques-uns. Après, je sais pas s'ils existent tous, mais voilà, j'imagine que là-dedans, il y en a qui existent et que je devrais avoir, vous voyez. En 3 étoiles, alors 3 étoiles, je pense qu'il y en a moins quand même, parce que j'ai fait quand même pas mal de VS récemment. Mais vous voyez, il y a quand même quelques champions hein, qui me manquent. Hein. Bon, Thanos, d'accord. Le leader, il n'est pas encore arrivé en VS. Mais vous voyez, tous les autres, que ce soit Serpent, Vox, Tigre Blanc, enfin, tout cela, il faut que je les ai, quoi. En 4 étoiles, il m'en manque un petit peu moins. Voilà, il me manque le leader qui n'est pas arrivé. Mais les 4 autres, voilà, c'est pareil. Il va falloir que j'échoppe, quoi. En 5, il m'en manque quand même pas mal. Enfin, vous voyez, en fait, tout ça. Et pourtant, il y a des champions qui commencent un peu à dater. Genre, des photons, je l'ai pas. Kindred, je l'ai pas. L'homme sable, je l'ai pas. Homme absorbant, putain, j'ai pas homme absorbant en 5, quoi. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Autant qu'en 6, je les ai pas. C'est pas hyper choquant. Mais en 5, quand même. Vous vous rendez compte, il manque plus de 5 que de 6. C'est fou. Bref. Voilà, donc il va falloir augmenter tout ça. Je sais pas d'ailleurs si les reliques enfin, comptent dans l'IP. Je sais pas du tout. Je pense pas en vrai. Je pense pas. Puissance de héros total, je pense pas. Bon, en tout cas, l'idée, ça va être de choper des nouvelles choses. Voilà. C'est un peu pour vous expliquer que, voilà, si on pouvait choper des nouvelles choses maintenant, ça peut être pas mal. Parce qu'il nous manque des choses. War Machine et Mangog. Bon, après, évidemment, hein, c'est bien aussi d'avoir des éclats, d'avoir... Enfin, voilà, pour ouvrir des meilleurs artés, mais voilà. Il va falloir quand même que je chope 2-3 nouveaux, quoi. Ok, alors... sachant qu'il y a des cristaux magnétrons. Donc, les cristaux magnétrons, mine de rien, ça va faire une grosse vidéo bientôt. Je vais pouvoir... j'espère peut-être avoir du nouveau là-dedans. Ok, alors... Ce qu'on va faire, c'est... on va ouvrir d'abord le 5 étoiles comme ça. Hercule, c'est du max, évidemment. C'est évidemment du max. Est-ce que on a des cristaux de compétences max? On en a que 3. On en a que 3, c'est quand même pas ouf. On va ouvrir du coup 7 cristaux 6 étoiles. Bon, du coup, des 6 étoiles, il nous en manque pas énorme. Hein. Il nous en manque pas énorme. Et la plupart, c'est quand même du récent. Du très, très récent. Allez, 7 cristaux et on n'a pas de nouveau. On a des compétences max. Bah, en fait, tout... Là, même... Ah non, la guêpe, elle n'est pas encore. Elle n'est pas encore, mais on s'en rapproche quand même. On s'en rapproche. Ok, donc on a eu 5 cristaux de compétences max. On va ouvrir le 6 étoiles. Alors là-dedans, qu'est-ce qui me manque en nouveau? En 6 étoiles, il va me manquer. Alors, Deus, je l'ai. Negasonic, je l'ai. Spider-Punk, je dois pas l'avoir en 6. Spider-Punk, je dois pas l'avoir en 6. Destructeur, du coup, je l'ai pas. Et le serpent en 6, je l'ai peut-être pas. Ouais. Le rôdeur, c'est sûr, je l'ai par contre. Donc, il doit m'en manquer 3. Il doit m'en manquer 3, en principe. Bon, ça, pour le coup, je l'ai. Ça, c'est sûr. Et elle est. Peut-être... Bon, elle est sûrement à 200, d'ailleurs. Elle est sûrement à 200. Ok, très bien. Très, très bien. Eh bien, écoutez, ça me fait du compétence max. Et on va avoir, du coup, aussi un cristal mystique. Un petit cristal abyss mystique, là. Hop ! Allez, c'est parti. Si on peut avoir, du coup, Kushala. Peut-être pas mal. Du nouveau, en tout cas. Pas de nouveau ? Bon, bah pas de nouveau. Pas de nouveau. Et bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que bah, on prenne du 200. Hein. Et le seul 200, j'ai l'impression que c'est Vaudou. Donc on va prendre Vaudou. Dommage. Je crois que voilà, il y avait Kushala, mais tant pis. Tant pis. Et bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre. On ouvre les 7 étoiles maintenant. Alors, encore une fois, les titans ne seront pas ouverts maintenant. Mais les 7 étoiles sont là et on va les ouvrir dès maintenant. 3 cristaux 7 étoiles, peut-être du nouveau, peut-être de l'ancien, on va voir. Écoutez, de toute façon, bah, si on peut avoir un petit nouveau, allez, un petit nouveau sympa,
Si sur, en fait, si sur les trois tirages, on peut avoir, on va dire, un bon truc, ça peut être cool. Allez, c'est parti. Nouveau tirage de cette étoile. Nouveau tirage cette étoile. Il y a pas mal de trucs qui nous intéressent hein, dans ce que je vois tourner là. Pas mal de trucs. Par contre, les Mangog, ça me fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir, les Mangog. Allez, c'est parti. Nouveau tirage, 7 étoiles. Et on va tomber sur l'ami. Ah, la photon derrière, c'était bien la photon derrière. War Machine qui, je crois, est déjà éveillé. Je crois qu'il est déjà éveillé. Ah ouais, c'est pas terrible. Ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Je vous avoue que la petite photon derrière, là, ça aurait fait plaisir. Ça aurait fait plaisir. Dommage. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez, on est reparti pour un deuxième tirage. Deuxième tirage de cette vidéo. Et on va tomber sur l'ami Sauron. Sauron, c'est un déjà éveillé aussi. Hein. C'est un déjà éveillé. Il y avait une Chavez avant. Chavez, ça m'intéressait pas mal. Un Mister Négative aussi. Un petit Hyperion, ça aurait été kiffant. Mais là, c'est que du déjà éveillé, quoi. C'est que du déjà éveillé. C'est pas terrible. C'est pas terrible, les amis. C'est pas terrible. Ouais, c'est un peu nul. C'est un peu nul. Écoutez, on va voir ce que nous donne ce dernier cristal, cette étoile. Dernier cristal de cet opening. Et on va tomber sur l'ami. Oh là là, Venom the Duck. Je crois que c'est du nouveau par contre. Ah. Bon, c'est du nouveau. C'est du nouveau. C'est peut-être le pire nouveau possible, mais c'est du nouveau. Bon, bah le tirage est vraiment pas ouf. Hein. Le tirage est vraiment pas ouf. Hein. Franchement, les trois là. Alors. Sauron, ça va. En vrai, c'est pas le perso que je déteste le plus. Mais le problème, c'est que bah, il est déjà éveillé, quoi. War Machine, pareil, c'est un bon champion. C'est pas exceptionnel, mais c'est un bon champion. Mais pareil, il est déjà éveillé, quoi. Donc, à part me donner des éclats titans, mais très franchement, je préfère que vous me donniez des éclats titans en me donnant des trucs, des nouveaux éveils, quoi. Même, franchement, même des éveils pas forcément sensationnels, franchement. En 7 étoiles, j'en ai plein, des trucs pas éveillés, qui, enfin, pas éveillés, mais voilà, qui seraient pas sensationnels, mais qui seraient bien. Franchement, vous me donnez une petite Spider-Gwen, je prends. Vous me donnez un petit, bon, des trucs qui sont dispo dans le cristal. Un petit Terrax, je sais pas, voilà, un petit Terrax. Un petit, bon, non, Ward, c'est pas dans ce cristal-là. Un petit Bouffon Rouge, voilà, des trucs comme ça. Je demande pas des trucs sensationnels, mais en vrai, voilà, un petit éveil, quoi, cool. Là, bon, c'est quand même pas foufou, hein. C'est quand même pas foufou, Venom the Duck et les deux autres qui passent à rang supplémentaire. Alors, à voir, peut-être qu'ils auront les prochaines méta, hein, bon, notamment Sauron. Possible, peut-être War Machine en attaque, hein. Attention, War Machine, peut-être en attaque, attention. Bref, en tout cas, tirage qui était quand même pas fou. Tirage pas fou. On va voir plus tard si on arrive à faire mieux. Dans les prochains openings et notamment bah, les éclats titans. Hein. Je pense que là c'est un des derniers openings avant quelques temps que je vais faire. Alors je sais pas trop, je vous avoue, hein, je sais pas trop, mais comme là je vais partir pas mal en vacances, vous allez voir cette vidéo, je pense que je serai pas loin d'être en vacances. Et derrière je vais pas mal partir là dans les 3 prochaines semaines, en gros je vais partir 2 semaines complètes. Alors il y aura des moments où je vais revenir 2-3 jours par-ci par-là. Mais voilà, dites-vous qu'il y a 2 semaines où je pars, donc je vais essayer de préparer des vidéos en avance, mais voilà, les openings, c'est des trucs bah, où, voilà, factuellement, tu les as un petit peu au fil de l'eau, quoi. Donc je pense que cet opening-là, c'est peut-être un des derniers avant que je revienne de vacances. Voilà. Mais en tout cas, il y aura un big opening sur le deuxième compte, là. J'attends juste d'avoir les récompenses de la... du comment ça s'appelle? Du printemps de chagrin, donc de la fin. Faut juste que je refasse mon petit run là, mon petit run, histoire de prendre le tag des années, et voilà. Écoutez, merci à vous, bonne soirée, on se retrouve très très vite, et bah, moi je vous dis à plus pour plein de nouveaux contenus, tous les soirs à 19h sur ma chaîne. Salut, à plus!